ambiance fabuleuse à Marseille de Flandre, demi-finale de Challenge Cup, La Rochelle face à Gloucester dans un stade Marseille de Flandre, une nouvelle fois à guichet fermé, 12 000 drapeaux distribués et on vous laisse apprécier la formidable atmosphère de Marseille de Flandre. Ça ne gêne pas Billy Burns, 6-0 pour Gloucester. Johnny May pour Alaï Fonua. Attention, là par contre, il peut jouer. Il y a 2 contre 1. À l'extérieur, Trinder. Très bonne défense. Quelle défense de Rutscher. C'est dedans, et bien voilà, 6-6 à la mi-temps. Ouais. Balèze, on le sort, pour on le sort. Attention, interception. Interception. C'était vu. L'interception. Il y va, Billy Burns. Et Burns qui va aller marquer le premier essai du match. C'est cruel pour La Rochelle. Au début de l'action, il y avait Jérôme. Une pénalité annoncée. Stay. Last feet. On est tout près de la ligne. Hein. Là, le ballon qui est invisible. On travaille. Alors, et oui. On a franchi. Essai. Et c'est Rochelet, inscrit par Lagrange, l'essai de l'espoir, les drapeaux sont sortis à Marseille de Flandre. Il restera encore un peu plus de 4 minutes après le coup de pied. Bon, James, là, il n'a pas forcé. Ça passe encore à côté. Balle de match manquée par Brock James. Avec Bougarny. Bougarny, c'est presque inespéré. Il a perdu le ballon, il a essayé de faire la passe. Il a essayé de faire la passe, Bougarny. C'était trop difficile au contact et c'est les Anglais qui s'imposent. Ouais, c'est fini, qualification pour la finale de la Challenge Cup de Gloucester qui s'impose 16-14 sur le terrain de La Rochelle.